je suis Marie-Cécile Manière, donc chirurgien dentiste, responsable de l'unité fonctionnelle d'odontologie pédiatrique aux hôpitaux universitaires de Strasbourg et coordinatrice du centre de référence pour les manifestations odontologiques des maladies rares. Je suis présente à la journée de la filière tête-cou parce que c'est une occasion unique de rencontrer tous les partenaires qui constituent cette filière, c'est-à-dire les collègues des autres centres de référence maladies rares, des autres centres de compétences, également les représentants des associations de malades. Donc c'est une opportunité d'échanger avec tous ces partenaires avec lesquels on n'est pas en contact quotidiennement, bien qu'on travaille avec les mêmes objectifs qui sont donc la réhabilitation esthétique et fonctionnelle des enfants et des adultes qui présentent des malformations de la tête, du crâne, de la face et de la cavité buccale. D'abord, j'aimerais souligner la très belle organisation de cette journée grâce à la plateforme d'animation qui s'est donnée à fond pour que tout ça se mette en place. Au sein de la filière tête et cou, je suis particulièrement en charge de la cellule formation et information. Donc ça me permettra de recueillir un peu les avis des uns et des autres sur cette journée et de voir un petit peu quelles sont les attentes pour la prochaine journée qui aura lieu donc en 2017. Découvrez la cartographie de l'offre de soins sur notre site internet et retrouvez les associations, les professionnels de santé et les représentants des pouvoirs publics en suivant notre série Tête-cou Live.